Golf Mag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée au parcours de golf Le Blainvillier. Cette semaine à Golf Mag, on vous propose la visite d'un parcours privé en pleine santé et dont la devise est « plus accessible que jamais ». En effet, le Blainvillier offre deux parcours de belle qualité, le Royal et l'Héritage, dont les défis sont grands, autant pour les golfeurs débutants que plus expérimentés. On est au cœur d'une forêt verdoyante et le raffinement est au rendez-vous, autant sur les parcours que dans les installations comme le pavillon. Un test de golf certainement autant pour les golfeurs débutants que les plus expérimentés. Bonne émission! Le club de golf Le Blainvillier compte deux parcours de championnat, l'Héritage et le Royal, conçus par l'architecte Graham Cook. Les parcours présentent toujours des conditions de jeu exceptionnelles. Les règles d'été sont généralement en vigueur de la mi-mai à la fin octobre. Verre rapide et allée généreuse, tonde différentielle, allée soignée, plan d'eau et fosse de sable bien placés sont les ingrédients principaux de ces défis correspondant aux normes des terrains de calibre international les plus modernes. C'est en quelque sorte des retrouvailles avec l'ancien président du club au Blainvillier, Olivier Dolbecq, qui a été en poste de 2003 à 2006, mais toujours membre, évidemment, à ce magnifique club de golf. Olivier, le club a plus de 25 ans, drôlement bien maturé. Si on avait à décrire le Blainvillier à nos téléspectateurs à Golf Mag pour leur dire quel genre d'expérience quand on est membre ici que l'on vit? C'est une expérience golfique pour quelqu'un qui aime vraiment jouer le golf. Évidemment, ce sont deux parcours qui sont relativement exigeants, mais qui, au fil du temps, se sont améliorés. On les a un peu amoindris au niveau des difficultés, ce qui fait que c'est accessible pour à peu près tous les golfeurs, compte tenu qu'on a ajouté des têtes de départ également. Oui. Ce qui fait que c'est une belle expérience de golf pour laquelle vous allez avoir beaucoup de plaisir, mais ça prend un peu de patience et d'humilité. Ça, c'est sûr. Le Royal offre des verres difficiles. Ils sont souvent convexes et sont très rapides. Ils sont d'ailleurs parmi les plus rapides du Québec. Bien qu'ils soient plus courts que l'Héritage, il n'est pas idéal pour la marche. Le Royal est un par 71 où les trous sont construits à l'intérieur de développement domiciliaire. Oui. Ce qui fait que ce sont des trous relativement un peu plus courts, mais qui sont un peu plus étroits, alors qu'ils vont demander plus de précision. L'Héritage est un parcours dessiné à travers le bois dense. Il est très riche en végétation. L'Héritage, quant à lui, est plus long un peu et plus dans la nature. On est vraiment perdu, on n'entend pas de bruit. Et c'est un terrain qui est un peu plus permissif au niveau des coups de départ. Parce que dans les deux cas, sur les verres et l'entrée au verre, c'est relativement restreint. Il y a de bonnes normales 4, il y a d'intéressantes normales 5, de beaux pars 3. Mais ce que je retiens de mes expériences passées ici au Blainvillier, ce sont les verts. Graham Cook, quand il a dessiné le terrain, il a décidé de donner des cheveux gris aux golfeurs. Ça demeure l'une des difficultés ici au parcours, non? Oui, tu as raison. Ça demeure une difficulté, mais au fil du temps, on a redessiné quelques verts. Et avec notre équipe de terrain, notre surintendant Ronald Bégin, on a réussi à maintenir une vitesse de verre qui est raisonnable, entre 10-2, 10-5. Ce qui fait que c'est bon pour le type de verre qu'on a et ça favorise le golfeur, vous direz, de toutes les catégories. Cette semaine, nous faisons connaissance avec Alexandre Ouellette, adjoint professionnel au club de golf Le Blainvillier. Il fait partie du personnel des pro-enseignants ici au Blainvillier. C'est Alexandre Ouellette qui est ici depuis combien de temps déjà? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Oui. Ah, wow! Grandi ici comme junior, amateur, puis maintenant ma 11e ou 12e année comme assistant pro. C'est extraordinaire. Oui. Alors, tu as fait partie de cette cuvée-là qui a été développée initialement par les membres du club, de ce club de performance. Donc, tu as grandi, tu as appris ton golf ici. Quelle est un peu la philosophie du club, justement, à cet effet-là? Parce qu'on a voulu développer du golf, on a voulu former de la relève. Comme on le sait, il y a de moins en moins de jeunes qui jouent au golf. Donc, notre but, c'est d'aller chercher les jeunes de l'extérieur pour qu'ils viennent s'entraîner ici, vu qu'on est quand même
un centre d'entraînement assez particulier au Québec. Nos aires de pratique, impeccables. Donc, surface de gazon, on a deux pitching greens, deux putting greens. On a notre nouveau centre TaylorMade pour les ajustements de bâton et enseignement. Donc, je pense que c'est assez complet pour que notre relève vienne ici. Bien, il n'y a pas de doute. Puis, parlant du centre de perfectionnement, ça, c'est vraiment un outil qui date pas d'hier ici. On l'a instauré il y a de cela plusieurs années. Je pense que vous avez été avant-gardiste au Québec à ce moment-là. Oui, on est, si je ne me trompe pas, on est le premier centre d'ajustement de bâton au Québec. Donc, au départ, c'était avec Titleist. Et maintenant, ça fait 4 ans que c'est TaylorMade qui a pris en charge le centre. Donc, c'est un bon atout. Il y a bien sûr Gary Lagdon qui est là toujours comme pro. Il y a Anne Rogerson, il y a Richard Demers, il y a toi qui est là comme pro-enseignant. Oui. Quel genre d'approche que vous avez dans l'enseignement ici au Blainvilliers? Est-ce que c'est uniformisé ou vous avez votre approche personnelle? C'est sûr qu'en tant qu'équipe, bien, on essaie de vraiment amener quelque chose de familial, de commun. De commun entre chaque pro. Mais quand arrive le temps de travailler one-on-one avec le client, bien c'est sûr qu'on a notre petite touche personnelle. Mais sinon, c'est vraiment les techniques de base. C'est l'un des plus longs cogneurs au Québec. Mais aujourd'hui, pour jouer le trou signature, je n'aurai pas à mesurer ma distance avec lui, mais surtout ma précision, parce qu'on va jouer le trou de la semaine sur une normale 3, c'est ça? Oui. Donc, on va aller sur le trou numéro 17 du parcours royal, donc une normale 3 d'environ 180 verges. On va aller voir ça. Après cette pause, nous reprenons l'émission avec la présentation de notre trou vedette de la semaine depuis le club de golf Le Blainvilliers. Retrouvons Daniel et Alexandre alors qu'ils s'apprêtent à jouer notre trou vedette de la semaine, le 17e trou du parcours royal du club de golf Le Blainvilliers. Cette normale 3 s'étire des jalons arrière jusqu'à 183 verges. Le choix de bâton est primordial afin d'atteindre un verre des plus capricieux. Alexandre, le voici, le trou numéro 17 du parcours royal au Blainvilliers. J'ai toujours trouvé ce trou-là fort intéressant, mais en même temps, il n'y a rien de sorcier. Hein? C'est rien de sorcier, par 3. On a le verre directement devant nous. Ouais. Pas d'obstacle trop devant. On a deux fosses de sable de chaque côté du verre. Qu'est-ce qui est plus difficile ici, c'est le verre en tant que tel. Oui. Donc, deux petits vallons de chaque côté du verre qui ramènent vers le milieu. Oui. Donc, on s'assure de viser le centre du verre pour avoir un roulé plus facile. Plus facile, quelle que soit la direction. Ouais. Moi, j'ai tout le temps considéré ici que la principale difficulté, et ça se voit pas, c'est le vent. Ici, ouais. On est un peu enclavé dans la forêt au terre de départ. Puis là, tu dis, ah, il n'y a pas de vent ici. Oui, mais il y en a toujours. Il y en a toujours, ouais. Particulièrement au-dessus du verre. Oui, donc moi, quand je le joue, je me fie toujours au dernier trou que j'ai joué, donc le 16, qui est un normal 5. Donc, si j'ai le vent dans le dos au trou numéro 16, donc je vais avoir le vent dans le dos au 17. Mais quand on arrive sur la terre de départ, ça nous crée toujours un doute parce que le vent tourne tellement que notre sensation est différente. C'était absolument raison. Et tu sais, il n'y a pas vraiment d'obstacle comme tel. Tu parlais des fosses de sable de chaque côté. Il faut vraiment être, entre guillemets, erratique, soit avec une mauvaise qualité de frappe ou une balle tirée pour s'y retrouver. Personnellement, aujourd'hui, avec 180 verges à parcourir, tu vas utiliser quoi comme bâton? Je vais utiliser un fer 7. OK. Donc, normalement, que je frappe 180 verges, donc pas beaucoup de vent aujourd'hui. Il devrait tomber pas mal à la hauteur du drapeau. Je te laisse les honneurs, puis fais ta routine habituelle. Excellent. Puis tu peux nous raconter peut-être de cette position-ci, ce serait quoi ta cible? Tu vises le drapeau, okay. Tu vises un arbre derrière, qu'est-ce que tu viserais? Aujourd'hui, donc le drapeau est en plein centre du verre. Oui. Donc, je vais viser le plein centre du verre. Parfait, excellent. Belle hauteur de balle. Ce serait le fun qu'elle tombe dans le trou, devrait celle-là. Devrait pas être popée, hein? Eh là là! Wow! Oh, bravo, bien joué. Super forte. Excellent, c'est un super beau coup de gueule, ça. Wow! Écoute, ta marque de balle, ton dévute, est en ligne avec le trou. C'est magnifique. Un fer 7 bien frappé. Moi, je vais y aller avec un fer 6. Elle est peut-être un peu plus mollo, mais juste essayer de placer la balle. Là. 180, c'est le bon numéro. Ouais.
Super. Un petit peu à droite, en espérant un bon à gauche. On va prendre ça là. On va prendre ça là. On va aller voir nos balles. On a des chances de birdie. Moi, t'es plus proche. C'est bon, ça. On va avoir un putt en descendant et un putt en montant. C'est intéressant, ce flag-là. C'est comme au milieu de la cuvette, hein? Ouais. C'est le fun, ça. Je pense que je suis un petit peu plus loin, Alex. Quelques pieds, deux, peut-être deux pieds. Petite affaire. Alors, mais ça, qu'elle tombe à court de la bosse puis qu'elle bondisse vers le fanion cette fois-ci, mais je vais avoir un beau roulant de descente. Puis je pense que. Il va être rapide. Du fait qu'on a le droit de garder le fanion maintenant pour la garder. Écoute, étonnamment, il n'a pas l'air à trop bouger. Je dirais peut-être un petit peu à gauche. Mais il est clairement en descente. Faut pas que tu sortes du trou. Non. Puis habituellement, au Blainvilliers, la vitesse des verts, c'est quoi? En 10 et 11. 10 et 11. À 10 et 11, c'est rapide. Allez, allez, allez. C'était approximativement ça. Il en manquait pas beaucoup. Je vais prendre la normale. Est-ce que je te l'enlève ou tu la gardes? Tu peux l'enlever. Ça ressemble à quoi ton roulet, Alex? Donc, c'est pas mal droit. Peut-être une petite affaire à gauche vers la fin. Mais on va le jouer en plein centre. En montant aussi, là. Oui. Oui, non. Ah, c'est pas mal. Ah ben, deux parts faciles. Deux parts faciles. C'est facile, ce jeu-là. Voilà. Alex, merci beaucoup. Et merci à toi. Je vais te souhaiter une bonne fin de saison. Est-ce que tu as des compétitions à l'horaire d'ici la fin du calendrier? Oui, il y a quelques petites compétitions de la zone PGA du Québec. Ouais. Donc, lundi prochain, série formation à Whitlock. Cool. Puis après ça, ça va être le championnat de la zone Québec à Château-Bromont. Bien, la meilleure des chances, puis au plaisir de golfer à nouveau avec toi. Oui, merci. Bonne fin de saison. À toi aussi. Quand il est temps de choisir un trou coup de cœur ici au Blainvilliers, on a l'embarras du choix, en tout cas en ce qui me concerne. Pour avoir été membre ici plus d'une dizaine d'années, je dois vous avouer que c'est très difficile de trancher, ne serait-ce que sur l'héritage ou encore sur le Royal. Si j'avais à en choisir un, ce serait possiblement le 9e de l'héritage, mais pas le 9e des Jalons Noirs, le 9e des Jalons Gold, où je me trouve actuellement. Des Jalons arrière, la sortie des blocs est particulièrement intimidante. Pour un golfeur qui est habitué de couper la balle, pour un droitier particulièrement, jouer de gauche à droite, ça peut aller. Évidemment, à gauche, c'est libre. On peut aller du côté gauche, mais je dois vous avouer que c'est très intimidant, l'étroitesse de la forêt. Une fois qu'on a passé, ça va parce que l'allée est assez large, mais ça demeure une excellente normale 4 qui s'étire sur plus de 400 verges. Et ça, c'est sans compter le facteur vent qui peut parfois nous jouer des tours, être défavorable. Et je vous invite d'ailleurs à écouter là-dessus les conseils de notre pro, Jérôme Blais. Celle-là est parfaite. Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, Centre du golf. Voici Jérôme Blais. La pression des mains lorsqu'on tient le bâton est vraiment très importante. Je vois régulièrement les gens serrer la prise tellement fort pour être sûr de ne pas échapper le bâton. Pourtant, on ne l'échappera pas, le bâton. Mais c'est une habitude, dans le fond. On veut frapper avec force et puissance, donc on a tendance à serrer le bâton assez fort. Ça fait beaucoup de tension au niveau des muscles, des bras et des épaules. Et là, on perd énormément en fluidité. Et ça devient très difficile d'avoir un fouet des poignets efficace. On devient trop raide. Et là, on donne un coup de hache plutôt que de juste bien fouetter et s'élancer à travers la balle. Alors, il faut vraiment porter une attention
particulière à tenir le bâton juste assez ferme pour qu'il soit solide dans nos mains, mais assez détendu pour que les muscles de nos bras ne soient pas trop raides, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure fluidité. C'est la même chose pour les coups d'approche et les coups roulés. Après la pause, on parle d'ajustement de bâton personnalisé. Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan, maintenant à Belleuil et au quartier des Strantes. À notre chronique équipement cette semaine, nous traitons de l'ajustement personnalisé de notre équipement de golf. T'aimes-tu le feeling de ce bâton-là? Comme chaque golfeur a une grandeur, une force, des mains de grosseur différentes, bref, une morphologie bien à lui, il est intéressant de faire ajuster ses bâtons selon son corps et son type de jeu. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, faire un fitting, c'est vraiment la meilleure option pour l'achat d'un bâton. Premièrement, c'est de faire analyser son élan pour qu'on puisse faire un fitting. Là, tu vois, on avait ton club speed de 94 000 à l'heure. Okay. On a vu le backspin. Okay. OK. Le side spin aussi avec ta tige. Fait que de là, on va aller essayer une nouvelle. On va voir si tu peux générer plus de distance et de précision. Okay. Une fois que nous avons l'information analysée par l'ordinateur, on est en mesure de proposer un équipement adapté aux golfeurs. On a tout à notre disponibilité, toutes les têtes disponibles de toutes les compagnies, les tiges, que ce soit une tige senior, une tige régulière ou une tige rigide, tout est disponible de A à Z. Exactement. On peut tout comparer avec tous les chiffres, la moyenne, celui qui va sortir le mieux pour toi. La tête, c'est-tu un modèle qui t'intéresse? La plupart des boutiques de golf offrent gratuitement l'ajustement lors de l'achat d'un nouvel équipement. En bout de ligne, vous avez plus de performance avec votre équipement parce qu'il est adapté à vous tout de suite. Vous n'avez pas à vous battre avec votre équipement, il est déjà prêt pour vous. Ça va donner plus de constance dans votre jeu puis plus d'agrément aussi à la fin de la partie. Les deux terrains ont été améliorés au fil des ans, mais vous avez apporté également de belles améliorations, à la fois là où on trouve la boutique, mais aussi au pavillon principal où se trouve la restauration. Oui, le pavillon principal avait été rénové il y a une quinzaine d'années et on a procédé l'année passée à un rafraîchissement de notre section, je veux dire, resto-bar et salle à dîner, oui, où on a tout refait de la décoration pour les rendre ça plus au goût du jour. Le parcours actuellement propose 2 18 trous, mais d'ici quelques années, l'offre golfique va être un petit peu moins grande. Qu'est-ce qui s'est passé ici au Plainvilliers qui va changer peut-être l'expérience ces prochaines années? Bon, c'est un projet qu'on mijotait depuis environ 18 mois. On a convenu avec des promoteurs immobiliers de vendre une certaine partie des terrains qui donne sur l'héritage. C'est sur une période de 3 à 5 ans que le développement devrait se réaliser. Et au moment où ils auront modifié le parcours pour en faire un développement domiciliaire, nous aurons 27 trous. Mais l'objectif est d'avoir 27 trous d'extrême qualité. Un 27 trous de prestige du type Royal Hunt. En 2020, il y a de moins en moins de golfeurs qui veulent s'abstreindre à une obligation d'un membership annuel, oui, ce qui fait qu'on n'est pas capable d'arriver avec les coûts inhérents au fonctionnement du club. Alors, ce développement-là est essentiel pour la pérennité du club, mais on va avoir un excellent produit. Bien Delbecq, merci pour votre temps. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de discuter golf et de parler du Blainvilliers dans vos belles installations. Vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est gentil, merci. On joue au golf aussi. Oh, j'aimerais tellement ça. Il faut quand même souligner en terminant le dynamisme au fil des ans du club de golf Le Blainvilliers. Ça s'explique par le fait que la moyenne d'âge de ses membres se situe un petit peu passé la mi-quarantaine. Ça veut donc dire que quand vient le temps d'organiser des événements sociaux ou corporatifs, bien disons que le membership s'implique et ça rend les activités vraiment agréables. Évidemment, au fil des ans, on a reçu des tournois compétitifs pour démontrer la qualité des parcours, mais les événements corporatifs sont toujours les bienvenus, ce qui aide bien sûr au développement du réseautage en affaires. Merci de nous avoir suivis cette semaine à Golf Mag. Aimez notre page Golf Mag sur Facebook et on se retrouve très bientôt sur un autre parcours. Ciao! Suivez Daniel Melançon sur Twitter. Aimez notre page Facebook.
Golf Mag vous a été présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée au parcours de golf Le Blainvilliers. On va se laisser avec notre question de la semaine. Le Blainvilliers a reçu de nombreux tournois d'importance depuis sa création. Ma question, cependant, cette semaine, en quelle année le Blainvilliers a-t-il été le théâtre du championnat amateur canadien masculin? Allez sur notre page Golf Mag Facebook et on attend vos bonnes réponses.